Que serait l'école sans les stylos dont on enseigne très tôt le maniement à ses chères têtes blondes? Depuis des décennies, on n'en est plus à l'encre et à la plume, mais les gestes sont bien là. Et pourtant, ils sont menacés. Cette menace est évidemment technologique, à base de claviers et autres tablettes numériques qui ont envahi les domiciles et les lieux de travail pour finalement bouleverser les habitudes. Et si on écrit plus, on le fait de moins en moins avec un stylo et du papier. De plus en plus d'écoles envisagent d'abandonner au moins partiellement cet outil. Un établissement privé anglophone du canton de Genève, le Collège du Léman a dépensé 800 000 euros sur 3 ans pour équiper la totalité des salles de classe en tablettes. Dans ce cours de langue, chaque élève dispose d'une tablette nominative équipée de programmes pédagogiques spécifiques. Le professeur fait son cours, tablette à la main, peut consulter les résultats des élèves en direct pendant les exercices. Et à la place du tableau noir, un vidéoprojecteur affiche l'image de la tablette de l'enseignante. Il faut maintenant davantage se préoccuper des compétences du 21e siècle, celles dont vont avoir besoin les enfants d'aujourd'hui quand ils seront dans la vie professionnelle. Mais en même temps, je crois que le fait d'écrire, ça permet de connecter des zones du cerveau qui sont différentes de celles quand on est en train de tapoter sur son clavier. Selon Claire Cliva, professeure membre du Laboratoire de Culture et Humanité Digitale de l'Université de Lausanne, la disparition éventuelle du stylo pourrait représenter un choc de civilisation, un changement aussi important que celui provoqué par l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1455. Peut-être qu'on va au devant d'un changement assez important. Je pense qu'on a encore un peu de peine à se dire qu'on ne saurait plus écrire à la main, on verra bien. Mais je crois qu'on est capable de s'adapter, de tirer le meilleur de nos nouvelles manières d'écrire. Parce que sur l'iPhone, sur l'iPad, on écrit à la main. Par contre, ce qu'on perd, c'est le contact au papier. Et ce changement de rapport entre le corps, l'écriture et le papier, oui, c'est un changement de civilisation important. Jacques Derrida, le philosophe, disait « c'est une nouvelle phase historique qui génère de l'angoisse ». Alors bon, le constat est posé. Moi, je serai attentive à voir quelle est la nouvelle culture qui se développe avec ces supports électroniques. On voit que la place de l'écrit change pour aller vers une culture texte, image, son. Et l'image et le son prennent de plus en plus d'importance par rapport au texte. Une plongée dans l'inconnu, de nombreuses études ont prouvé l'influence de l'apprentissage de l'écriture manuscrite sur le développement cognitif des enfants. Mais pour le moment, rien ne permet d'affirmer catégoriquement que l'utilisation d'un clavier pour écrire est meilleure ou moins bonne pour le développement cérébral. Donc il y a certainement une différence là entre l'exécution d'un geste structurel d'une de copie d'une lettre et d'un geste structurel qui serait de taper sur la reconnaissance d'un clavier. Je ne pense pas qu'il y ait assez d'études actuellement, en tout cas, pour dire clairement que l'écriture cursive face à une autre écriture, style d'écriture, aura une influence sur le développement des enfants. Le stylo est sur le point de perdre la bataille. Selon les rapports publiés depuis 2012 par l'Institut Euromonitor, les ventes de stylos sont en recul dans la plupart des pays occidentaux. En Suisse, les gammes haut de gamme et luxe sont en progression. À terme, l'écriture manuscrite pourrait retourner à l'art une discipline esthétique qui nous relie à notre identité, à notre culture, la calligraphie.